rendez-vous au premier bien. Peggy 16. Eh bien, laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de la F1 Simulator France. Vous y avez droit, c'est bien ce soir, et nous sommes en compagnie du groupe 1. Bonsoir à tous! Et bienvenue sur ce live de la F1 Simulator France spécial, un petit peu. Rien d'événementiel, c'est juste là, le championnat de la F1 Simulator France, et nous sommes en compagnie du groupe 1 ce soir. Mais qui m'accompagne chaque semaine, la baronne. La duchesse, Nana. Salut Nana. Salut la crème, salut mon cher la crème. Tu m'as fait un peu peur ce soir, jusqu'à ce que je te reconnaisse plus ou moins dans les bas-fonds des enfers de ce monde. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, voilà, vous savez ce qui vous attend tranquillement durant cette soirée. Il y a de la pluie sur la piste, on va tout de suite aller voir, mais nous allons voir un petit peu plus en détail de ce qui va se passer durant la soirée. Eh bien oui, ça ne fait que commencer cette douce soirée. Vous pouvez apprécier le classement de nos pilotes qui sont sur la piste en ce moment. Felcoz de chez Ferrari est en tête avec 164 points. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Telle est la question. Nous ne savons pas, mais bon, nous verrons bien. En termes d'écurie, donc Ferrari est en tête avec son coéquipier comeback Jésus, avec Ferrari 227 points. Suivi de très proche par Mercedes, enfin très proche, plus de 100 points, mais bon, ils peuvent y arriver. Alors, voici, et puis on va faire un petit tour au niveau des remplaçants de ce soir. Ils seront 4 pour malheureusement 5 absents, donc ils seront que 19 en piste. Nous aurons Wizard à bord de la Red Bull, Alex Rugby à bord de la Williams, Rod Addy à bord de l'Aston Martin et Chat Noir à bord de l'Alfa Romeo. On passe tout de suite en piste. On a hâte parce que je les vois qui sont sortis en soft. Attendez, monsieur Lacrème, pouvez-vous regarder les téléspectateurs quand vous leur parlez, s'il vous plaît? Excusez-moi, nous allons en piste. Prenez ça au passage. Allez! 2-3 crises cardiaques à déplorer? Ouais, un petit peu, je pense. DTF qui a cassé déjà, malheureusement, juste après la sortie des stands. J'espère qu'il va pas gêner. Allez, comment il a fait, Bello, pour mettre des médiums? Felco a expliqué que, justement, depuis la mise à jour, il est en effet possible de mettre des médiums. Il y a 3 trains de médiums dorénavant. Pour une fois que je suis au courant d'un truc et pas toi. Peut-être parce que t'as passé trop de temps à te... Ouais, je pense. Il y a une masse, ben... Est-ce ton vrai visage? C'est mon vrai visage, oui. Ça, c'est le vrai la crème. Celui que vous voyez habituellement est... vrai visage. Et on a Alex Ruby, oui, qui est disqualifié. Alors, qui est en piste? Parce que là, on ne suit pas trop. Est-ce que Reda est en piste? Oui, Reda est en tour. Donc, on va pouvoir suivre tranquillement notre ami Reda qui nous offre sa caméra comme la semaine dernière. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Bon, ça vous plaît en tout cas. Donc,
Restez bien jusqu'au bout si vous avez l'envie, surtout, de nous suivre. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir de jouer le jeu. Forcément, hein, le 31 octobre, c'est à marquer. Allez, ça... enfin, mais bon. Et donc, vous êtes déjà nombreux. Salut tout le monde. Hein. On va pas suer tout le monde parce que vous êtes très nombreux à avoir agi. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. On va suivre Reda, la progression de Reda sur son premier tour. Sans ERS, donc il y aura forcément un deuxième tour derrière. Il est suivi de proche par son coéquipier, donc je pense que ça va se donner une petite aspiration là. Je pense que ça va s'aider. Allez, Reda en 1.22, puisqu'il y a son coéquipier qui est venu aller le chercher en 1.22, 172. Oh, j'ai l'habitude d'avoir mon téléphone là, tu vois. Allez, on va réitérer un petit peu tout ça. On a, ouais, c'est depuis la mise à jour, on peut mettre des médiums. Alors, ouais, écoute, par contre, Makeup, c'est Taxi Julien et Felcos ont mis les inter. Rob Daddy vient de casser au même endroit que JCF, c'est-à-dire juste après la sortie des stands. Et il pleut dorénavant, il pleut réellement, d'où la sortie en intermédiaire. Je tiens juste à faire un petit remerciement à ma petite Emeline, ma collègue de boulot, qui est venue nous faire un petit coucou sur le live, et également mes parents. Eh ben, coucou. Coucou à vous et bienvenue dans ce live. J'espère que vous n'avez pas eu de peur. Non, c'est pas ce n'était absolument pas le but de la manœuvre. Allez, on vous laisse apprécier tranquillement. Ah ben non, on voilà. Je pense que ça va être terminé. Merci, Makeups. Alors, Reda améliore d'une seconde pour information. Puisque c'est cette fois-ci lui qui a bénéficié de l'aspiration de son collègue Juju RM. Les Mercedes en pleine stratégie dès la Q1. On n'est pas habitué à ça. En général, ça attend un petit peu avant de tout nous dévoiler. Mais Guitens, ah ben ça y est, Juju est venu améliorer en 1.21.457. Et Reda, malgré sa seconde d'amélioration, est rentré au garage. Bon, rentré au stand. Oh, peut-être qu'il a tout perdu dans le secteur 3. Peut-être. En tout cas, on est en train de suivre Taxi Julien. Avec ces intermédiaires, est-ce qu'ils sont sortis trop tard avec les softs, ou est-ce qu'ils vont faire le bon filon là? Est-ce qu'ils vont trouver de quoi En tout cas, salut Zlatan, salut Jonathan. En tout cas pour Juju, ça risque d'être la bonne strat, puisque maintenant ça va être compliqué d'aller améliorer sous la pluie. Qui commence à bien tremper la piste de Monaco. Déjà circuit très exigeant, pour ne pas dire très difficile. Et surtout qu'il ne pardonne pas avec tous ces murs très proches, toutes ces barricades, parce que ce ne sont pas vraiment des murs, mais tous ces... je ne trouve plus le terme. Oui, barrières. Voilà, toutes ces barrières très proches Monaco, de la piste. Ce qui fait que, étonnamment, à 10 minutes restantes, il n'y a que 7 pilotes qui ont réussi à faire leur temps. Un beau message de Jonathan. Merci, ouais. Jonathan. Mais j'ai la même voix du monsieur qui est là normalement, habituellement. J'ai pas trouvé le truc pour changer le son de nos micros. Alors, je le trouve beaucoup plus beau, par contre, ses yeux me font peur. Ouais, elle a peur de mes yeux. Bon, je sais pas pourquoi, mais... Parce que t'as des yeux de chat. Oui, j'ai des yeux de chat. Mais des yeux blancs de chat. Mais ça me gratte un peu quand même. Alors. Oui, mais touche pas. Fatal Gaming est venu chercher le deuxième temps. En 1.21.935, je pense que les softs continuent à bien marcher. Taxi Julien est le premier à avoir fait un temps en intermédiaire de 1.23.125. Et il continue l'amélioration et il passe quatrième. Je pense que les intermédiaires peuvent venir à marcher. Et on avait Chat Noir, il me semble, qui était en soft. J'étais dessus tout à l'heure et... Ben non, ça tire tout droit. Dans le noir, ça se voit passer dessus. Je me rapproche très proche pour que vous voyez mes yeux.
Ouais, chat noir, donc ça va être terminé. On a Michel qui va venir faire son tour. On a déjà 3 éliminés. JCF, Rob Daddy et Alex Rugby. Le driver 20 ne viendra pas. Hein. C'est le truc qui me le met, mais il ne sera pas là. Puisqu'ils ne sont que 19 en piste. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Michel est en tour. Ils sont tous en tour de sortie là en fait. Felkoz est en tour lancé. Oui. Chat noir également. Felkoz avec les softs. Les chats noirs sont les seuls avec ta. Ouh là 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 là. Felkoz avec les softs qui prend la 7ème position. Est-ce que Ferrari vont avoir du mal sur ce circuit sous la pluie? Il fait quoi Rob Daddy dans le groupe 1? Mais, Bob Brady dans le groupe 1, et bien, il vient nous dépanner de grande urgence au dernier moment. Donc un grand merci à lui. Donc c'est pour ça que vous le voyez ce soir. Sinon on n'était que 18 malheureusement. Ça aurait été pas très top. Ça aurait été dommage effectivement. Bello améliore de 2 secondes. Donc apparemment les inter commencent à faire leur effet. Ouais, on est en train de suivre notre ami make-up ça. Camaro Michel qui vient de casser. Ah ben en plus j'étais sur lui tout à l'heure. Et on va pouvoir, on ne pourra plus le voir malheureusement maintenant. Peut-être sur Jésus, mais je pense qu'il aura disparu d'ici là. Ah ouais, non, ouais, je suis sur make-up. Bon, c'est pas grave. Parce que make-up 10ème avec 24 points avec sa McLaren. Il est traître ce circuit, c'est vraiment une horreur. Felkoz qui prend le meilleur temps. Ah, oui. En 1:23.52. Et Makeups qui vient prendre le deuxième temps. Deuxième temps donc pour Makeups. T'as pas de soucis au niveau des affichages? Non. Parce que j'ai ma télémétrie activée. Ah oui. Eh bien écoute, c'est une bonne chose. Eh bien, écoute, c'est une bonne chose. Merci la mise à jour. Voilà. Très bien. Et merci Halloween. Et merci Halloween. Merci mes yeux de chat. C'est mes yeux de chat qui font ça. Ouais, peut-être pas docile pour une chatte. Hein. Ouais, ouais. Allez, Jésus va arriver également en inter, du coup. Jésus, oui. Il n'a pas encore fait de tour. Ils sont nombreux là, pas avoir fait. Enfin, nombreux, non, parce qu'il y a Chat Noir et Wizard qui n'ont pas fait de tour. On a Jésus qui passe la ligne deuxième temps. Les deux Ferrari en forme. Et Felkoz, à savoir que ben ouais, son meilleur temps a été fait sous les pneus. Sous des pneus soft. Donc. À rappeler également que Tom ne sortira pas des stands. Ah oui, effectivement. Puisqu'il est il a écopé d'un ban qualif. Et donc il ne sortira que pour le GP. Exactement. Allez, Wizard sort des stands. On a. J'ai regardé le live dimanche sur Facebook de Fatal. Ça a été une sacrée boucherie. Alors j'imagine pas aujourd'hui s'il pleut. Au passage, félicitations à la crème. Belle course. Dernière question pour Halloween. C'est Nana ou toi qui mange le plus de bonbons? Alors. Pour répondre à la journée de Fatal, bon, c'était un entraînement, donc rien n'était trop pris au sérieux, donc voilà. Merci pour moi. Forcément, c'est un circuit que j'aime beaucoup, Monaco, donc je suis à l'aise dessus. J'ai pas besoin de tryhard à mort pour être dessus, donc ça s'est peut-être vu un peu hier, mais j'espère être pris mercredi en tant que réserviste, donc voilà, je pourrais venir à remplacer dans le groupe 3 mercredi. Et puis celui qui mange le plus de bonbons, je vais dire que c'est moi. Il n'y a pas de voilà. Ou Bello qui est parti dans l'échappatoire. Est-ce que c'était peut-être pour laisser passer? Ouais, ou peut-être un petit freinage. Mais il pleut là encore? Ah, bah, oui, il pleut encore. Pas foufou en fait. Ouais, c'est de la pluie. Hyper fine. Ça laisse bien passer pour Bello. Ouais. C'est dur de laisser passer en plus ici. Il faut faire très attention. Bah, il faut s'arrêter dans un recoin en fait. Ouais. Pas le choix. Ouais. Ici, il n'y a pas vraiment le choix. Wizard a abandonné la session, donc il n'y aura pas de temps pour Wizard non plus.
qui a cassé à l'entrée du stand. Il a cassé... C'est pas à l'entrée des stands ? Non, non, il a cassé dans la piscine. Il a cassé avant la piscine, on va... Ben, on arrive dessus avec Arose. Oh là 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 là. Oh, je le voyais dedans, Arose. Il a pris le même mur. Il a... Ripley, on me dit. Ils vont te haïr, à force si je fais ça toute la soirée. On l'a vu en direct, c'est passé très très proche. Hein. C'est très rapide. Je l'ai pas bien vu, tu veux remettre le replay? Tu veux que je remette le replay? Attends, je sais pas si je peux mettre le replay. Non, je peux pas mettre le... Si je peux remettre le replay, voilà. Ça touche le mur et ah oui. Ouh, ça passe très très juste. Hein. Salut Wanda! Rémi, t'es bien plus belle que Nana ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme tous les lundis soirs. C'est tes yeux de chatte. Méfiez-vous, Alpine, ça rime avec Halloween. Eh oui. Allez, on va essayer de mettre la carte. Du coup, JCF, Rob Daddy, Camaro, Michel, Wizard et Alex n'ont pas pu obtenir de temps sur cette Q1. Tom reste au stand, donc il reste 3 places. Tout le monde, pardon, tous ceux qui restent vont passer en Q2. Est-ce que ça vaut le coup de sortir? Bah, chat noir est dehors, mais... Ça vaut peut-être pas le coup de chercher. Oui, mais il faut pas trop chercher non plus. Faut pas prendre le risque de casser, puisque là, la Q2 est assurée. Oh puisque les 15 premiers... Ah, mais il a plus d'aileron. Puisque les 15 premiers maintenant passent en Q2, donc il faut pas vraiment prendre trop de risques. Il n'y a pas d'utilité à cela. Effectivement. Effectivement, il va falloir faire attention. J'espère que vous nous entendez bien. Je vais faire une réda, mais j'ai l'impression que le jeu a l'air plus fort que nous. Mais dites-nous si vous nous entendez bien et je bouge pas. Il pleut, oui, monsieur Wanda, il pleut, mais depuis le début, et à vrai dire, on voit à peine les gouttes d'eau sur l'écran, tellement que ben, c'est une pluie extra fine. Donc, dire qu'il pleut, voilà. En fait, vous les voyez tous avec des intermédiaires, limite, mais ils ont tous pratiquement fait leur temps avec des softs, donc... C'est dur de jauger. Donc forcément, on voit qu'il y a une plus grande difficulté puisque une 20, bon, à Monaco, c'est pas trop ça. Mais normalement, on devrait tourner 10 secondes de moins, quoi. 9 secondes de moins. Felcoz nous dit que pour la course aussi, il y a de la pluie. Ah ! On est bien Halloween, hein ? Ça, c'est bien. Tu vois, et encore, il fait jour. C'est dommage, tu vois. Je voulais préparer des petits fonds avec des éclairs et tout. Oui. Et voilà. J'aurais dû m'écouter. Donc, une course 100% pluie. Tu m'aurais dit... Oh, punaise, Machala qui vient d'éclater. Alors, il y avait déjà plus d'aileron avant. Hein. Ah ouais, mais Machala, tu es qualifié. Mais oui, il ne faut pas... faut rien faire. Il faut juste rentrer tranquille, ramener la voiture... au stand et attendre la Q2 sagement. Bon, de toute façon, il reste 16 secondes, mais... Fatal Gaming, 1:19:135. Il a pas peur de casser, Fatal. Ah, il veut mettre tout le monde d'accord dans cette Q1. Attention, il va falloir réitérer hein, en Q2. Allez, Machala qui va rentrer tranquillement. Chat noir, il n'a pas de temps. Je ne sais pas s'il va passer. Hein. Attends qu'il a pas cassé. Mais je ne sais pas, il me semble qu'il faut valider un temps. Et puis ça se trouve avec la mise à jour ça a changé. Donc en fait on sais pas. Surprise hein. Pour moi il... ouais mais après il y a tellement d'abandon. Pour moi il me semble qu'il faut valider. Et justement valider un temps. Pourquoi il a pas fait au moins un petit temps même 2 minutes, tu vois. Bon après il a cassé son aileron certes. Mais il aurait dû au moins passer la ligne. Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas non plus, monsieur. Je ne sais pas. Salut, Bibi Ben, merci. Je ne sais pas, malheureusement. Salut, Hervé.
Ouais, j'espère qu'ils Ouais, soient au 10 au moins et 10. au moins Au moins 10, 10. je pense. Ouais. J'espère qu'ils seront plus, quand même. On a vu quelques difficultés pour certains et bon, ce n'est que les qualifications. Tout peut changer en course, en espérant que ça se passe bien en course pour eux, tout de même. Alors, Taxi Julien, je le vois sur la piste, mais au final, non. Donc, Fatal Gaming est en train de rentrer avec son Alpine. Pin qui a le meilleur temps en 1:19:135. Fin de cette première qualification. Donc, est-ce que Chat Noir va passer? J'en sais rien. Pour moi, il Bah faut ouais. vraiment valider un temps. Ouais, Fatal plus d'une seconde devant Felcoz. Ouais, effectivement, avec des intermédiaires, alors que Felcoz avait fait son temps en soft. Non, il est bien qualifié. Ouais, donc partiront, bah oui, puisque en même temps il y a beaucoup de casse. Partira 14e JCF qui a cassé, 15e Robladi qui a cassé, 16e Camaro Michel qui a cassé, 17e Wizard qui a cassé, 18e Tom qui était ban qualif et 19e Alex qui a été disqualifié. Voilà. C'est une Q1 à Monaco, quoi. J'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose. Ah ça oui. C'est Monaco et sous la pluie en plus. Oh, ça Mine de devrait rien. bien se passer. Ça devrait. Eh oui, Karma, c'est chez toi, le relou. Il a demandé la pluie, Karma. Salut les filles, c'est l'enfer sous la pluie, signé Jésus. Ouais, salut Jésus. On se doute bien, mais bon, on se doute aussi que vous allez, je pense, nous offrir quelques petits trucs ce soir, même sous la pluie. Ça va être intéressant, ça. Je pense. On compte sur vous. Nous, on fait le spectacle en cabine. Faites le reste, s'il vous plaît, les gars. Exact. Allez. Tu leur as fait le rire du Joker que t'as pas arrêté de faire Non, tout à l'heure? pas encore. Pas encore. Deuxième séance de qualification. Il pleut toujours. Il pleut toujours. On voit, hein, il y a des petites plaques d'eau qui se sont formées. À voir maintenant. Est-ce qu'ils sortent tous avec les intermédiaires? J'ai l'impression, oui. Ils ont tous des Ouais. intermédiaires. Non, Dark et Reda pour l'instant sortent après à voir comment ils vont sortir. C'est une Alpine, il me semble, qui part en C'est premier. Bello. C'est Bello. C'est bien Bolo. Bolo. Ah, non, c'est que j'ai vu marquer bonbon. Des bonbons. Des bonbons ou la Des vie. bonbons ou la mort. En tout cas, ouais. Des bonbons ou la vie. J'espère qu'ils vont rester en vie ce soir sur la piste. On va surveiller tout ça. Allez, Bello. On va faire un petit tour le temps que notre Bello fasse. Le tour de sortie, comme prévu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas avec tes. J'essaie de te faire un petit signe. Ah! Nous en sommes à notre 7e Grand Prix, donc sur 22. C'est à Monaco. La semaine prochaine, le dur circuit de Bakou. On s'attend également à peut-être plus de combats. Ou pas? On verra hein, si le château se passera bien un petit peu pour tout le monde. Ensuite, nous serons en semaine de pause. Très certainement. Oh là là. Je sais pas si tu bugs plus comme ça ou comme Ah, d'habitude. là, je sais pas. Je sais pas. Très certainement que lors de notre semaine de pause, vous allez pouvoir assister à une course de nos réservistes. Et peut-être à une course 100% féminine. Peut-être. Je l'espère bien. Nous l'espérons bien. Nous vous dirons tout cela bien sûr sur le groupe Facebook. De la F1 Simulator France. Oui, parce que des bisounours en colo de vacances, Ouais. nous intéressent moins. Ouais, non. C'est... Allez, c'est parti donc pour Bello. Il est en tour, notre ami Bello. Et c'est lui qui va ouvrir du coup les temps de cette Q2. Et Il va la nous donner rue. le temps de référence. Ouais. Bah, Et sous le les. pont, non, il peut pas, non. Non, je te confirme.
Oui, ben... Pas sous le tunnel, pardon. Non, le tunnel, non. C'est en sortie de tunnel, on peut bien voir, oui, qu'il commence à bien pleuvoir. Oui. Bello qui est 13e et qui a inscrit ses premiers points la semaine dernière en prenant la 4e position, puisque son coéquipier Fatal a été rétrogradé à la 7e place, de la 4e à la 7e place suite à une pénalité. C'est donc Bello qui était arrivé 5e qui prend donc la 4e position. Et qui s'est gratifié d'être pilote du jour également. Exactement. Grâce à une très belle remontada. La première fois en 2 ans qu'on a eu Bello en cabine. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. Et le temps de référence, c'est donc 1:21.168 inscrite par notre Bello Senna. Ouais. Moi, je serais curieux d'aller voir Eda. Makeups 1:20.624, ça commence déjà à attaquer. Parce que Reda a des softs. Tout à fait. Non, mais j'ai l'impression qu'il... Il galère un peu. Il a pas galère, mais... De concentrer en tout cas. Oui. A-t-il mangé son tacos avant ou pas? Oh là 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 là, non, c'est fini, c'est fini, c'est foutu. C'est foutu, les softs, ça passera pas. Les softs ne passeront pas, il a voulu tenter, hein. On tente des choses chez Mercedes pour essayer d'aller chercher ces Ferrari là qui gênent. On a Fatal Gaming qui vient chercher le meilleur temps en 1:19.451 devant la Ferrari de Jésus, Felcoz. Makeups qui est venu taper un petit peu l'arrière-train de la monoplace dans la piscine. C'est vrai qu'elle est traître, cette piscine. Je sens que demain soir, je vais y laisser quelques fois mon arrière-train aussi. Non, ça va aller. Voilà, ça va être fort là pour Felcoz. 1:18.283. C'est très très fort. Gros temps de la part de Felcoz. Fallait s'en douter qu'il allait répondre à Fatal. Mais attends, Reda n'est pas rentré au stand, il a continué son... Ouais, parce que maintenant, il a mis la batterie. Donc non, il n'a peut-être pas eu de dégâts. Non, non, regarde, elle remonte. Si, elle remonte parce qu'il s'en sert pas. Là, ça y est, elle descend. Ah oui, pardon. Parce que dans le... Ouh là 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 là, ça glisse, hein. Fatal Gaming 1:19.4. Il réaméliore. Allez, la piscine, ça passe tout droit. C'est fini pour Reda. Sauf elle passe pas. Le tout droit dans la piscine, il veut tout dire. Ouais, c'est dur. Taxi Julien. 14e au championnat avec 11 points qui vient récupérer la 5e place. On pourrait peut-être se mettre en tour. Peut-être plus tard avec Juju, vu qu'on a sa caméra. Bon, pour l'instant, il est au stand, mais pour plus tard, ce serait peut-être intéressant. Oui. Si ça te dit. Oui, oui. Ouh, il y a Chanoir là qui suit une Red Bull, la Red Bull de Rasmus Chanoir qui a tout annulé. Alors, il reste 8 minutes sur cette Q2. On va peut-être voir avec vous quels sont vos pronostics sur cette Q2 et surtout sur la Q3. Il faut s'avancer sur la Q3 pour être bon pronostic man. Salut Gérald. Salut Gérald. Bienvenue à toi. Warsbod, bonsoir l'équipe. Juste un saut pour vous souhaiter une belle course et allez Guitance, bonne course. Salut Warsbod, merci beaucoup à toi. Karma qui s'avance. La pole pour Fatal, Felcoz second. Jonathan, Felcoz sans surprise. Gérald, tu fais peur, je pars. Attends qu'il te regarde dans les yeux. Reste Gérald, reste. N'aie pas peur. Attends qu'il y ait un replay, attends qu'il y ait quelque chose. Attends, c'est que le début. Ne t'inquiète pas. Allez Machala, on va se mettre sur Machala. Tiens, on l'a pas vu. On est depuis le début sur Machala. On va suivre tranquillement son premier tour qui va nous faire. On l'a pas vu en Q1. Qui a réussi à quand même à se qualifier pour la Q2. Et qui est toujours en attente de points. Il n'est toujours pas rentré dans le top 10 sur les 7 courses déjà effectuées. Ah, ça trigue là, mais ça passe.
Felkos sans surprise, on nous dit, et la pole pour Fatal, pour Karma. Alors, il a presque une seconde à aller chercher, hein, Fatal. D'ailleurs, il est ressorti. Au fait, je ne sais pas si tu as vu le message un peu plus haut de Jonathan, qui nous dit « La crème et Nana, vous allez finir aussi célèbre que Charlie et Dino. » Sauf que nous, on ne fait pas croire qu'on est cousins. Non, sinon ça serait embêtant. Machallah, 11e temps. 11e temps, il faut continuer, persévérer pour aller chercher le top 10. Espérer pouvoir passer en Q3, sachant qu'il n'y aura que 3 pilotes qui ne viendront pas passer. On a Juju RM qui va finir son tour. Non, qui... Il va lancer son tour. Ouais, tout à fait. On va peut-être faire un tour embarqué. Allez, faisons un petit tour embarqué avec notre ami Juju RM. Allez, il faut continuer, persévérer à notre ami Juju. Mais merci du tour embarqué en tout cas à bord de cette Mercedes. Drapeau jaune, tout va bien. Drapeau vert, drapeau vert. Fatal Gaming a rejoint. Fatal Gaming avait quitté, donc Fatal Gaming est revenu. Taxi Julien est en tour annulé. On a Bello Senna qui est en tour. Sur un nouveau train de pneus. Et oui, on va essayer de voir. Ce n'est pas pour maintenant. Non, je ne vous dirai pas parce que c'est pas pour maintenant. Mais c'est bien des pneus neufs. C'est très serré en tout cas les temps. Encore une fois, un groupe assez homogène. Ah oui. Jonathan, on vous voit plus. On peut pas nous voir tout le temps. On revient. Ne vous inquiétez pas. On est en train de se bécoter, on revient après. Bon, vous entendrez, moi je dis ça, mais bon. Je pense, on est quand même très proche du micro. D'ailleurs, je retrouve plus nos caméras. Elles sont là, on est de retour. Allez, vélo. 9e temps pour l'instant. En 1.20252, chat noir est derrière en 1.20404, mais attention au Mercedes derrière. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Reda améliore. Juju est venu à prendre la 4ème place et Reda est en train d'améliorer. Et Reda 5ème. N'améliore pas derrière la nationale. Dark XS, on l'a pas vu, tiens. Ouais, c'est vrai. Il est en tour de sortie avec des pneus vieux, enfin avec des pneus déjà utilisés. On va vous le montrer. Bon, déjà utilisés, mais bon, forcément en intermédiaire, hein, on vient pas les user comme. Ouh, les user. Bello arrive avec de l'avance, j'ai l'impression. Laisse passer l'as. Et Bello,
sixième place pour l'instant. Et cinquième place. Bien joué, vélo. À 3 millièmes de Juju. Hein. 552 pour Juju et 555 pour Bello. Je crois que Taxi Julien vient d'améliorer aussi, de remonter à la 9e. Jonathan, on va pas te dire tous nos secrets non plus. Vous verrez pendant les lives. Vous verrez. Forcément, il faut qu'on garde la surprise. Comme celle-ci ce soir, pas grand monde était au courant. Donc ça fait plaisir de vous surprendre. Allez, Rose. Et effectivement, Karma soulève une information importante. Noël, on ne roulera pas. Effectivement, on fera la pause. Mais pour nous, Noël commence le 1er décembre. Je dis ça, je dis rien. Alors, si tu veux un petit peu de teasing, un petit peu de te faire grignoter, nous allons être la F1 Simulator France. Attends, je cherche le mot. Je sais pas ce que tu veux dire. Créateur d'événements. Puisque nous allons faire un événement un peu spécial Noël, en invitant plein de groupes de F1 à nous rejoindre, et nous serons les organisateurs de cet événement. Donc vous en saurez plus. Arrose améliore, j'ai l'impression, ouais. Très largement. Vous en saurez plus d'ici quelques semaines. D'ailleurs, ce week-end. Maintenant, oh là là, je me crois vendredi. Demain, on a une réunion sur ça en plus, donc. Dixième temps pour Arrose. Pour l'instant, ça passe pour Arrose. Dark XS, attention. Pas d'amélioration. Onzième. C'est kiff-kiff. Ouais, pas d'amélioration dans le secteur 1. De 94 millièmes, hein, il est en retard. C'est pas grand-chose, il peut le récupérer dans le secteur 2. Il a plus de courant, chat noir, chez lui. Ça, c'est embêtant. Un chat noir. Ça, c'est un chat noir. Alex nous dit, j'avais commandé le soleil pour ce soir. Et Karma nous dit, non, tu es chez moi, Alex. C'est moi qui commande la météo. Dark qui va pousser à Rose. Eh oui, ça pousse à Rose. Septième place pour Dark. Taxi Julien, j'ai l'impression qu'il améliore. Taxi Julien. Tu vois qu'il va rentrer au stand forcément. Alors ça n'améliore plus pour Taxi Julien. Oh, c'est dommage. Ça n'améliore plus, malheureusement, sur le drapeau vert. Mais attention, il est toujours qualifié. Attention à Rose qui peut toujours améliorer et venir à pousser Taxi Julien. Et non, c'est foutu. C'est terminé pour Arrose. Terminé. Ouais, trop tard. On va aller revoir le replay. Le replay de Taxi Julien qui est venu à prendre un mur, malheureusement. Qu'est-ce qu'on est bête. Vous imaginez pas le boulot à faire en cette soirée de débilos. Mais j'espère que ça vous plaît en tout cas. Oui. Les petits. Hein, pour ceux qui s'attendent pas. On rappelle que la F1SF se décharge de toute responsabilité en cas de crise cardiaque. Dans les 5 minutes, ouais, on va le rappeler. On va le rappeler quand même. Bon, mais c'est terminé. Hein. Fin des deuxièmes qualifications. Et donc, partirons. 11e Arrose, 12e Chat Noir et 13e Marshall, parce que moi, ils sont partis qu'à 13 sur cette Q2. Et écoutez, en espérant que Chat Noir, comme son nom ne l'indique pas, pourra nous rejoindre pour trouver un peu de chance pour nous rejoindre sur la course. Ouais, mais plus de courant, c'est sûr que sans courant à la maison. Bah là, oui. Mais ton œil qui tourne. J'ai mon nez qui tourne, j'ai mes yeux de chat qui se mettent à l'envers. Me regarde pas. Elle a peur. Allez. Me regarde pas. Arrête. Arrêtez. Arrêtez. Oh, écoutez. Oh, écoutez. Prodigy, on t'embrasse et tu nous regardes, bien évidemment. Ouais. Je sais que tu nous regardes en replay.
de là où tu te trouves. Des gros bisous. Oh, écoutez. Oh, écoute. Je vais y arriver. Non. Allez. Par deuxième. Sur une Q3. Qualification. Troisième. Mais troisième, pardon, excusez-moi, oui. Troisième qualification. Sur le circuit mythique de Monaco, toujours sous la pluie. Cette qualification, dis donc, ils vont avoir plus complète. Hein. Ça, c'est... Oui, puisque Felco nous disait tout à l'heure en course aussi, donc oui. Chat noir est en groupe 1. Je dis ça, je dis rien. C'est Halloween. Oui. Ça fait beaucoup de probabilités où, effectivement, il allait pleuvoir. Hein. C'était sûr. Oui. Tout à fait. On va voir. On va voir comment ça se passe. Qui est sorti en premier, c'est Bello, encore une fois. Non, c'est une Ferrari. C'est... c'est pas Jésus, c'est Felco. C'est Felco, ouais. Karma, même moi avec mon pouce-pouce sous la flotte, je prends mieux le dernier viral. Avec ta cacahuète. D'ailleurs, on peut en profiter pour remercier Karma. Qui nous a fait faire un tour de ce circuit mythique de Monaco avec son pouce-pouce. Magnifique. Dans son pouce-pouce, dans son carrosse. On l'a pris, hein, celui-là. Miniature. On est passé à la piscine. On l'a pris, celui-là aussi. Mais on est allé tout droit. On est passé dans le tunnel, qui était en travaux, comme d'habitude. Ouais. Non mais merci. Ouh, merci à Karma qui nous a fait visiter Monaco, avec qui on a passé un très chouette moment. Ça utilise des vieux pneus là pour Felcoz, pour certainement faire son premier temps. Qui attend à la deuxième relance à 5 minutes de la fin, il va rentrer pour tenter la pole position. Allez, Q3, on nous a dit fatal. En pole position, on nous a dit Felcoz. Est-ce que vous en voyez d'autres? N'hésitez pas à nous dire. Il y en a peut-être qui ont caché leur jeu, puisque c'était facile de se qualifier. Mais on va voir tout de suite, en tout cas, voir de cette Ferrari. Oh, ça va passer loin du mur, tout ça. Gérald nous dit fatal. Et oui, avec grand plaisir, Karma. Mais hâte de t'accueillir également, hein, Karma, tu es le bienvenu. Oh, j'aime bien cette caméra-là, quand on les voit surgir là, vraiment. Ouah, ça rase les murs. Ça rase les murs pour Felcoz. Ouh, ça drift, hein. Le beau drift. On a eu le droit à un beau drift de la part de la Ferrari qui fait son chrono en 1:18.211. Ça c'est commence ça, à être rapide. C'est ça le pire, c'est que malgré son drift, il arrive à tomber les 1:18.2. Et Bello d'ailleurs qui est en Q3 en fait. Ouais. Ça fait plaisir quand il est là. Avec un temps de 1:20.132, il est devant la Ferrari de Jésus avec un temps de 1:22.526. Make-ups. Sachant que Jésus n'avait pas l'ERS puisqu'il vient de l'activer pour son tour chrono 2 qui comptera s'il n'y a pas d'erreur. Fatal Gaming. Ah, les Alpines, ça nous fait plaisir de voir ces Alpines là. Make-ups, très beau temps, 1:20.044 qui est battu par Juju RM, 1:20.031, Reda qui lance son tour. Puisqu'il n'avait pas activé la batterie, certainement. Pas de bêtises, voilà, il active maintenant. Karma nous dit il faut raser les murs pour un bon tour, surtout à la piscine. Ouais, mais en fait, ce circuit, il faut le connaître les yeux fermés et savoir effectivement le faire en rasant tous les murs possibles. C'est vraiment un circuit très très exigeant.
Changement de lot, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai tout le monde qui quitte la session. Ouais, ouais. C'est pour ça que Reda ne tient plus son, son volant. Ouais. C'est fantastique! Effectivement. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans la session. Bon, mais... belle cause, hein, si tu m'entends. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ouais, il est sur son téléphone. Je pense qu'il est en train de nous prévenir. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Donc, je pense qu'on va devoir relancer, mais malheureusement, à ce stade-là... Mais je pense que la Q3 va s'arrêter là, hein. La Q3 va s'arrêter là, on va devoir les classer tels qu'ils sont. Ah, c'est fantastique, ça. Bon, Dark X, c'est pas la voiture de changement de lot. Je sais pas qui c'est qui est en vrai tour ou pas. Ah, il y a tout le monde qui quitte. Je sais pas si Guitan c'est vraiment en tour, ouais, il a l'air d'être en retour, ouais, ouais, gros bug. C'est dommage tout ça. Bon, on va rejoindre le lobby, le nouveau lobby. Je vais voir que comment qu'on fait. Ouais, effectivement, une erreur s'est produite. On a tous eu le même message. Et je te laisse gérer, j'envoie les invitations de mon côté. Je renvoie les invitations. Allez, en attendant, ben, on va vous faire patienter tranquillement. On va vous rappeler, ben, tiens, notre calendrier pour la saison. Tranquillement. Et puis on revient d'ici quelques minutes, vous inquiétez pas. Vous êtes dépassé par l'informatique ? Oui ! Vous dites souvent « je ne comprends rien ». Ah, je comprends rien ! Le groupe 2 a la solution pour que vous puissiez dire « assez ». On m'entend là ?
Je suis RCR Reda. Et ensemble, nous allons voir comment désapprendre totalement l'informatique. Vous voyez, Janine, par exemple, tout ça, là, on n'en a pas besoin. Oui, ça voilà. Dégage. Et oh, oui, d'accord. On revient à des choses très simples. Voilà. Vous aussi, venez tous les jeudis, dès 21h, pour prendre un cours de non-informatique de la part du groupe de... Parce que je suis en retard. Mon petit chou, arrête! Ouais, non, faut pas. Et la crème, c'est les Marseillais. T'as pas vu Reda? Ouais, la crème. Ouah, c'est trop bien. Righto, what's going on here? Sir, I'm Marissa. La FASF, c'est comme une grande famille. Sauf que le papa, c'est un dictateur. Vous suivez ce soir le live de l'un de nos quatre groupes de la F1SF. Laissez-nous vous détailler notre championnat. Waouh ! Tout d'abord, la F1 Simulator France se veut, comme son nom l'indique, axée sur la simulation. Ainsi, tous nos pilotes ont l'obligation d'être au volant, avec un passage des rapports de vitesse manuel uniquement. Pour cette quatrième saison, quatre groupes rouleront donc. Le groupe 1 d'abord roule le lundi soir à 21h. Ils n'ont aucune aide à la conduite, seul leur talent suffit. Le groupe 2 roule le jeudi soir à 21h. Il s'agit de pilotes expérimentés qui ont uniquement droit à l'ABS et à la trajectoire. Toutes les autres aides sont désactivées. Le groupe 3 roule le mercredi soir à 21h. Il s'agit de pilotes méritants qui ont droit à l'ABS, à la trajectoire ainsi qu'à l'antipatinage en intermédiaire. Aucune autre aide autorisée. Le groupe 4, quant à lui, roule le mardi soir à 21h. Il s'agit de pilotes amateurs, voire débutants, ou nouvellement arrivés dans le championnat. Ils ont les mêmes aides que le groupe 3. Nous recrutons des pilotes de tous niveaux et avons toujours besoin d'en avoir sous le coude pour remplacer nos éventuels absents. Alors, vous souhaitez piloter dans notre championnat? Rejoignez notre groupe Facebook en tapant F1 Simulator France dans la barre de recherche. Le nom d'un administrateur vous sera alors communiqué afin que vous puissiez le contacter. Vous ne pilotez pas, mais vous souhaitez tout de même nous suivre. Avec grand plaisir. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook F1 Simulator France. Vous y trouverez les classements constructeurs ainsi que les informations sur vos pilotes préférés et sur les événements organisés. Pour finir, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos lives et merci encore. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Live F1 Simulator France, ainsi que sur Twitch, où nous débarquons également cette saison, en tapant dans la barre de recherche F1 Simulator France. Wow. Vous recevrez ainsi toutes les notifications de live et ne raterez aucun départ. Vos vues, c'est également ce qui nous permet de nous améliorer dans nos diffusions et de vous apporter du contenu toujours plus sensationnel. Peggy 16. Allez, nous revoilà tranquillement, le temps que la grille se reforme. On essaye de la reformer. Nous serons sur un drapeau rouge. Donc forcément, nous ne retournerons pas sur la piste en tant que qualification, mais nous lancerons bien la course dès que la grille sera personnalisée. En espérant que ça arrive, puisque nous avons des complications, puisque ça a bien évidemment fermé le jeu pour tout le monde. Et les captures d'écran n'ont pas pu se faire.
et notre live, nous pouvons pas revenir en arrière, donc c'est compliqué. Nous sommes que 16, donc si les derniers pourraient nous rejoindre, on va les réinviter, ça serait bien. Ah ben, je pense que Chat Noir, ça va être foutu s'il a plus d'électricité. Donc ça sert à rien de le réinviter. Hein. On va partir sans Chat Noir, donc si on m'entend, laisser tomber Chat Noir. Ouais, c'est bon. Donc il manque Guitant, c'est taxi, Julien. Ah, j'ai encore un bug, moi. Ah non, c'est bon, c'est qu'ils ont lancé entre-temps. C'est bon, on est 18. On est 18. Donc voilà, on essaie d'aller au plus vite, de faire au mieux. On va faire un petit point au niveau, niveau des points. Donc, tac. Un petit coup comme ça, ça va bien. Ben, justement, on vous rappelle donc les réservistes qu'il y a ce soir, c'est Wizard, Alex Rugby et Rob Daddy, puisque Chat Noir, malheureusement, je pense qu'il ne nous rejoindra pas avec son souci d'électricité chez lui. Qu'avons-nous ? On a les classements pilotes. Le petit rappel donc de classement pilote. Felcoz est largement en tête avec 164 points. The Prodigy est avec 89, mais pendant encore 3 ou 4 Grands Prix, ne sera encore absent. Donc attention à son retour qui peut être fracassant. Mais bon, Felcoz va fracasser aussi. Reda est avec 84 points. Donc peut-être ce soir, il peut récupérer la P2. En termes de championnat, suivi de Jésus avec 63 points, Juju RM avec 39 points, Bastien avec 29, avec Guitens qui sont égalité avec l'Aston Martin et l'AlphaTauri. Arrows est à 26 points avec Tom, Makeups est avec 24 points. 10e position, JCF est avec 20 points. À la 11e position, on a les deux Alfa Romeo qui sont en grande forme. Seulement JCF est présent ce soir. On embrasse bien Formanti qui a 17 points. Et 12e position, 13e, on retrouve Bello avec 12 points en un Grand Prix qui nous a bien évidemment gratifié de ces 12 points. Taxi Julien est à la 11e place. On a Fatal Gaming qui a débuté sa saison la semaine dernière et qui a donc pris 6 points. Avec sa 7e position au Grand Prix d'Espagne, Osmose Dark XS est avec un point. Et avec sa McLaren, on attend toujours les points de Kev, Michel Camaro, Greg Team et Machala. On va tout de suite voir au classement écurie. Les seuls à être à zéro, ce sont bien eux. Les McLaren sont à 25 points. Devant, on a les Alpine avec 26 points. Seulement un point qui les sépare. Alfa Romeo est en combat avec AlphaTauri et avec Aston Martin, puisque Aston Martin a 55 points. Donc les trois se suivent assez proches. Et nous avons les trois leaders qui commencent à se batailler, mais ça se bataille simplement entre Mercedes et Red Bull avec 123 points pour Mercedes et Red Bull avec 115 points. Les Ferrari en ont 227, donc je pense qu'ils sont bien partis avec les Ferrari. En tout cas, il faut que Felcoz et Jésus continuent comme ça. Ça a l'air d'être bien parti. Allez, on va les laisser tranquillement se mettre au point, c'est compliqué, forcément. Il y a eu des hauts et des bas. C'est dur de retrouver la grille, hein, vu qu'on ne peut pas retourner en arrière. Merci Jonathan, merci beaucoup. On essaye de vous faire passer le temps comme on peut. J'essaie de voir ce que nous pourrions vous présenter en attendant. Le temps des deux petites minutes qui restent. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a plus grand chose, du moins. Mais. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus grand chose. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Donc n'hésitez pas à nous demander. Hein. On va essayer de. Ces deux petites minutes là qui restent. À gérer cette grille, à vous répondre, à tout donner les gars.
Hello, salut Edobance. Tout donner les gars, une guitance en feu, on me le dit dans l'oreillette. Ouais, c'est vrai que guitance ça fait une très belle, un très beau début de championnat du groupe 1. Savoir qu'il était, c'est l'ancien champion du groupe 3 de la saison, saison 3. Oui, on est à la saison 4. Merci Edobance. Merci Edobance, ouais, joli maquillage, mais c'est surtout aux yeux que ça me fait bizarre. Je vois des ombres noires autour. Ça fait vraiment bizarre. Mais merci beaucoup, en tout cas. Pour le rendez-vous au premier virage, j'appelle 10 dépanneuses et des carrossiers aussi. Honnêtement, je suis sûr que ça va bien se passer. Je mettrai pas ma main à couper, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Ils nous ont tellement régalé cette saison, le groupe 1, que je pense qu'il ne devrait pas y avoir de gros carnage, pour moi. Non. Excuse-moi, je suis en train de gérer. Oui. Mais non, c'est que je disais que je pense qu'on on va pas avoir hein, de gros dégâts que ça au premier virage. Je pense pas. Le groupe 1 est plutôt habitué à de bons départs, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. À part qu'on est à Monaco. Voilà. Après, ils le savent. Ils se sont eux-mêmes dit entre eux attention au départ, donc on sait que ça va être tendu, mais on sait aussi qu'ils vont mettre leur chance de leur côté pour passer un bon départ. Oui, tout à fait. La course en elle-même, sachant que du coup il est prévu la pluie. Oui. Ça va être également compliqué à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on va encore avoir droit à un spectacle digne de notre groupe 1, hein, qui digne de notre groupe 1 qui ne nous déçoit jamais. Déçoit jamais, oui. Pardon. Oui. Allez, la grille est prête. On va pouvoir. Merci, merci Jonathan. On dirait un panda. Allez, let's go. On va juste leur laisser 22h05, le temps qu'ils se mettent en grille et qu'ils préparent réglage. Leur réglage, merci. Il faut effectivement reprendre à zéro. Exactement, faut récupérer tout ce qu'ils avaient préparé. Donc on va retourner tout de suite à l'écran de l'accueil. On va souhaiter bonne chance à tous nos pilotes qui nous écoutent certainement. Et c'est parti! Alors, sachez qu'avant ce live, cette personne, cette chose, nous a gratifié de ses cris environ 50 fois. Oui. Voilà. Ah ouais, ouais. Ah voilà. C'est... Dès que j'appuie, je sais qu'elle va nous gueuler dans les oreilles. Mais ouais. Mais merci en tout cas d'avoir patienté avec nous, puisque vous êtes plus d'une quarantaine à être toujours en ligne. Donc merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Donc on fait du mieux qu'on peut pour essayer de vous garder ces images et puis d'aller au plus vite, de retourner sur la piste. Forcément, on ne s'attendait pas, hein. Forcément les bugs qui tombent d'un coup, ça ne nous fait pas non plus du bien. Donc, oui, mais Codemaster nous a fait une mise à jour, donc ça va beaucoup mieux. Ah, oui. Non. Ouais. La semaine dernière, malheureusement, Ces images de Monaco en attendant, superbe ville, pardon, tout le temps en chantier et avec un circuit de tueurs. Ouais. Ça va plutôt bien avec le thème d'Halloween. Exact. Si vous ne le saviez pas, je vais vous le rappeler peut-être. Je pense que vous ne le savez pas, nous n'avons pas fait de communication là-dessus. Le Grand Prix d'Espagne du groupe 3 a été annulé. Malheureusement, voilà, nos administrateurs ont fait du mieux qu'ils pouvaient la diffusion de ce live, mais nos pilotes ont... EA Sport a totalement pété les plombs vers 22h. Tous les championnats qui étaient en cours, il n'y a pas que nous qui avons été touchés, à savoir, il y a eu plein de championnats qui ont été touchés. Nos pilotes, une fois qu'ils passaient par la voie des stands, ressortaient avec des pneus à 10 degrés, les intervalles de temps
varier énormément entre les safety cars. Donc à un moment donné, vous êtes à plus 10 et en l'espace de 1 seconde, vous retombez à moins 5 et vous prenez une pénalité drive-thru. Voilà, on a préféré malheureusement. On a préféré malheureusement annuler la course. Ça fait certes fait très mal à certains pilotes et ça on le conçoit énormément. Nous les premiers, on est impactés puisque nous mettons environ plus de 3 heures de notre temps libre, enfin voire plus parce que ce soir ça nous a pris plus de temps forcément. Mais nous, les commentateurs qui sommes avec nous, forcément tout ce que vous avez à l'écran, tout ce que on vous affiche chaque semaine. Ça demande énormément de temps à la préparation, donc voilà, ça nous impacte également à nous aussi, comme à nos pilotes en piste, mais nous avons pris cette décision. C'était d'annuler ce Grand Prix qui ne sera pas renouvelé, donc dès mercredi, seront bien à Monaco et pas en Espagne. Voilà. Merci EA Sport. Exactement. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement... Heureusement, très rarement, je crois que ça ne nous était pas arrivé encore. Donc, c'est comme ça. Voilà. Voilà. On est sur la mise en grille du coup de ce GP de Monaco. Exact. Avec le groupe 1 qui, on le rappelle, n'ont pas d'aide et sont sous la pluie. Exact. Et seront sous la pluie tout au long de ce GP. Alors, au niveau des pneus, bah, tout le monde est en inter. Ouais. Si ça se passe comme la qualif, c'est vrai que les inters sont plutôt efficaces. Pas besoin de mettre les wets du tout, d'ailleurs. On voit pas de grosses piscines, contrairement à ce qu'il y a sur ce circuit comme nom de virage, mais il n'y a pas de piscine sur... voilà, c'est bien indiqué. Que les intermédiaires seront les plus intéressants. Donc on vous rappelle cette mise en grille. Felcoz sera au volant de sa monoplace Ferrari, suivi de Prépar Fatal en Alpine, Juju Mercedes Makeups au volant de sa McLaren, Taxi Julien en AlphaTauri, Bello deuxième pilote Alpine partira 6e, suivi de Reda Mercedes 7e. La deuxième Ferrari de Jésus partira 8e, la deuxième McLaren de Dark XS partira 9e. Donc on a effectivement dans ce top 10 quelques écuries qui ont réussi à survivre. L'Alpha Tauri de Guitens partira 10e, Arrows au volant de la Red Bull partira 11e, Machala As 12e, Camaro Michel 13e en Williams, 14e Alfa Romeo avec JTF qui effectivement n'a pas son célèbre acolyte Mansi et ses muscles. 15e partira Rob Daddy avec son Aston Martin. 16e la Red Bull de Wizard remplaçant de notre Prodigy qui nous fait un petit coucou de Thaïlande. 17e Alex Rugby au volant de la Williams. Et enfin 18e suite à un Ben Khalif qui n'a pas pu donc faire les qualifications. La deuxième Aston Martin de Tom. Alors ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous allez avoir quelques monoplaces qui seront disqualifiées puisque la mise en grille n'est plus automatique. Et si nos pilotes se loupent, ils sont disqualifiés, mais ne vous inquiétez pas, ils vont prendre la piste. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Allez, tout s'est bien passé, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de carnage comme vous avez pu avoir peur. Eu peur, pardon. Il ne s'est rien passé. On a les gains de position, très peu de gains de position. Il n'y a que derrière que ça s'est bien joué. Wizard et Tom ont gagné 3 positions. JCF 2, Arroz 1, Guitens a donc perdu 1 place. Machala 2 places, Michel Camaro 4 places. Rob Daddy en a perdu 1 et Alex Rubi également. Mais tout s'est bien passé. Ouais, pour un début de GP à Monaco sous la pluie, c'est un très beau départ comme d'habitude de ce groupe 1 et sa splendeur, il ne roule qu'au talent. Ouais, exactement. Ça commence à couper les virages, ouais, les virages. Alors,
Les vibreurs qui sont mis du coup exprès pour la course, puisqu'on le rappelle, c'est un circuit urbain à Monaco, ne sont pas vraiment des vibreurs, mais plutôt des dodanes, clairement. Et il est très facile de les dépasser ou de se faire un complat dessus. La Machala qui a perdu sa monoplace, il a repris, ça y est. Felkoz, forcément. On attend que tout le monde passe la ligne pour avoir les intervalles plus détaillés. Voilà, merci. Wizard passe sur GCF. Ça va être dur de suivre tout le monde. On en a Dark qui est dans le train-train de la Ferrari à Jésus. Et GCF est collé à Wizard. Hein. Bon, forcément, il vient de le doubler. Mais il faut rien lâcher. Et surtout, pas d'erreur. On le voit, la stratégie. La stratégie serait de deux arrêts. Crazy qui nous dit, allez la guitance. Et oui, allez la guitance. On a l'habitude, hein. C'est la guitance. C'est notre guitance nationale à nous. On a Dark qui commence vraiment à se rapprocher de Jésus, là. Alors que Jésus se rapproche lui-même de Reda. Est-ce que Reda ferait pas un petit bouchon? Et Juju, troisième position. Belle position pour la part de la Mercedes de Juju. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a l'habitude de voir, hein, de toute façon, des Grands Prix du groupe 1 qui restent tels quels. Felkoz met encore tout le monde d'accord. Avec plus de 8 secondes d'avance sur Fatal. Ça rase les murs. Hein. Le Tom qui passe sur GCF. Wow, ça tire tout droit. Ça tire tout droit. Il y a Michel qui arrive en plus. Et beau passage de la part de Michel. Ouais, belle prise d'opportunité. Un petit trou de souris s'est ouvert devant lui. Il y a foncé, c'est très joli. Belle glissade hein, qu'il nous a fait. Allez Michel, j'espère qu'il va rentrer dans les points ce soir. Ses premiers points, ça serait beau à Monaco. Ça serait des points bien mérités. Oula, Tom qui s'est bu. La guitance qui se rapproche de la Red Bull. Ça va se battre avec les moteurs Honda. Je vais y arriver. Et Monaco est très bien connu pour cette difficulté de dépassement. Il n'y a réellement que deux zones où on peut dépasser de manière totalement safe, on va dire. Le reste, c'est à l'appréciation de chacun et aux couronnes de chacun. Oh, c'est fini ! Rabadi dans la piscine, avant la piscine. Drapeau vert, c'est reparti. On a Alex Ruby qui arrive sur lui. On va pouvoir le voir. Merci tout de même à Rob Daddy. Forcément, il n'a pas l'habitude d'être sans aide. Il a été là quand même ce soir pour remplir la grille. Mais merci beaucoup à lui, malheureusement. C'est sûr que ce groupe 1 est impitoyable. Hein. L'erreur ne... sur la guitance qui... sur guitance, pardon, du coup. Qui était en perdition. Guitance qui était quasiment arrêtée sur le bas-côté. Camaro Michel qui arrive sur JCF. Il est où? Il y avait un mur, Michel. Il y a Tom qui lâche pas en plus. Hein. Tom il veut récupérer sa position, il met la pression hein, à l'ancien. À l'ancien. Ça passe ouais, c'était pas. C'est propre. Très beau dépassement. Il faut pas se louper dans ces dépassements, dans ces petits petites chicanes là, ces petites routes de montagne, hein, puisqu'on le rappelle, Monaco est un rocher. Donc effectivement les rues sont assez étroites. Nana, tu peux dire la guitance, il a l'habitude. Ouais, t'inquiète. Bah, c'est-à-dire qu'on l'appelle tout le temps la guitance. Tout le temps la guitance. Chaque semaine, hein, malheureusement, il y a le droit, donc ouais, on sait qu'il a l'habitude. CF dans la piscine là. Et oui, ça lui vaut une petite pénalité. Les pénalités ce soir, on risque d'en avoir. Ah, il y en a. Il y a Bello, Taxi Julien, Dark XS et JCF avec 3 secondes. Tous 3 secondes, effectivement.
Tac. Attention. Tom attaque l'ICF. On va aller voir. Il y a Tom, Tom, j'ai l'impression que ça l'a... Alors déjà, il a retrouvé un boost de connexion. Oui, et il a retrouvé un bon boost sur la piste. Donc ça fait plaisir, en tout cas. On a un petit train derrière Julien, derrière Taxi Julien. On a Reda et Jésus qui ne le lâchent pas, alors que Felcos, lui, a déjà mis quasiment 10 secondes à Fatal. Donc, comme d'habitude, Felcos a décidé de faire la course tout seul. C'est un concept. Ouais, c'est vrai. On a Wizard qui se rapproche de son coéquipier, là. Il est pas loin. Bah, les Red Bull vont être bloqués. J'ai l'impression qu'il y a un petit train là qui se forme derrière Dark. Ouh, arrosé. Ouh, attention. À pas trop monter hein, sur les vibreurs, attention. 24,907 hein, pour Felcos. Sans surprise. Avec 13 secondes d'avance hein, sur Fatal Gaming. Mais Fatal Gaming, faut qu'il reste comme ça. Hein. Forcément, deuxième place. C'est déjà beau, j'ai envie de dire. Surtout à Monaco. Et ça ferait énormément de points pour les Alpines. Donc, et Bello Sénat qui est cinquième. À l'abri. Mais là, je pense qu'ils sont tous en train de faire un petit peu du CLM parce qu'ils sont tous assez relativement éloignés dans le top 6. Donc, il n'y a que mes caps qui commencent à arriver dans les échappements de Juju. Et encore, il a du mal. Depuis tout à l'heure, je regardais. Oui, ça se rapproche. Non, ça s'éloigne. Oui, ça se rapproche. Non, ça s'éloigne. Mais mes caps, ça a l'air un petit peu compliqué. Juju a l'air d'avoir un plutôt bon rythme. C'était compliqué en début de qualif et puis Juju est un homme de course, on le sait. Mais derrière Taxi Julien, là, c'est vraiment un train. On a Reda, Jésus, Dark, Arose qui arrive pour s'en mêler, suivi de Wizard. Wizard qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et ça fait plaisir de le retrouver également. Champion du groupe 1, exact. Saison dernière. On a des champions ce soir, hein. Ça rigole pas. Alors bienvenue à toi, Cobin Sleep Kangourou. Bienvenue à toi. On parlait tout à l'heure de beaucoup, une tête ressemblante à un panda. On part maintenant à un kangourou. Voilà. Soirée animalière d'Halloween, rappelons-le au cas où vous ne vous en souviendriez plus. Ça commence à craquer. Ouais, mon sang sèche. Tu m'as arraché la peau du coup tout à l'heure. Mais attention, Wizard, vraiment très proche de Arose. Vraiment très là. Et il ne va pas pleuvoir toute la course. Vous pouvez le voir, il a arrêté de pleuvoir, j'ai l'impression. C'était un début de course sous la pluie qui se terminait sur du sec. Donc je pense que là, dans pas longtemps, nous allons les voir piter. Puisque vous pouvez apercevoir que. Je pense que ça ne rejette plus d'eau au niveau des pneumatiques. Petite vue aérienne dans ce virage, c'est pas mal. Merci. Salut Francky. Bon début de soirée au Québec. Eh bien écoute, grand bonjour à vous les Québec. Québécois, nos cousins. Et Fatal a eu un gros bug, il a été sorti de la session. Ouais, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Malheureusement, ce soir, c'est pas évident. Salut Kirikouille. Bienvenue à toi. C'était une blague à la crème. Ouais, c'est vrai. Ça va peut-être permettre à Juju, malheureusement, le bug de Fatal à se rapprocher. J'ai renvoyé une invitation à Fatal en espérant qu'il puisse revenir. Dans la session, j'ai un peu froid moi. Ok. C'est Tom qui vient prendre le meilleur temps, 1:22, 837. J'ai l'impression qu'il pleut vraiment plus. Mais ça a l'air d'être un petit peu mouillé. Faire attention, on va voir au niveau des usures ce qui peut se passer. Ouais. Non, ça va, ils sont encore neufs. Par exemple sur Jésus, hein, on voit environ à 14% sur les pneus.
essayer de voir, on se dit ça va être bon ça. Le slip bientôt. Bienvenue à toi d'un tigre. Isaltar, yo, allez les Ferrari, salut Isaltar. Salut Isaltar. Isaltar, on se retrouve après la course. En commission. Ah, ça pite. Premier pit de la soirée. Fatal Gaming suivi de Juju. Ça met les médiums. Ça met les médiums. Moi j'aurais mis les R. Moi j'aurais mis les A. Non. Moi j'aurais mis les R. Pas à Monaco, trop tôt. Moi j'aurais mis les R. Moi j'aurais peut-être pas osé. Ouais, on a entendu ça d'un tigre, mais est-ce que c'est lui qui est... Mashallah qui a bloqué les lignes, qui a pris 5 secondes. Juju et Reda t'ont écouté, ils vont tous les deux chausser les hards. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Il fallait chausser des hards. Mashallah les softs. Et Felkoz n'a pas décidé de continuer. Bienvenue à toi, Sapin. Ouais. On va surveiller, hein. Faut que les Mercedes envoient du bois là. Faut que ça envoie du steak. Ça rattrape le paquet. On a un drapeau jaune très rapide, hein, qui s'est formé. Ouais, parce qu'il y a du monde. Et là, ils sont tous dans les échappements de tout le monde. Hein. On a Wizard qui avait réussi à passer sur Arrows. On a Fatal Gaming qui. Non, c'est Jésus qui bloque. Non, c'est Fatal Gaming, pardon. Ouais, on a une vase qui laisse passer, c'est Mashallah qui laisse passer tout le monde, qui est en soft, hein, malheureusement. Il avait rechaussé des softs et il doit laisser passer tout le monde. Allez, est-ce que c'est bien Fatal qui est à bord? Si on pourrait nous le dire en commentaire, parce que j'ai l'impression quand même. Ou alors son IA, il est très intelligent et il est venu à piter, mais par contre, malheureusement, il a pité des médiums. Moi, je pense que... Taxi Julien a décidé de continuer. Eh, Felkoz, il est passé en hard, donc ça c'est bon. Il a eu le temps, vu l'avance qu'il avait sur tout le monde. Il y a quasiment toute la grille est passée au temps, il reste plus. Alors, il n'y a que Fatal hein, qui bug. Et Alex en inter. Et Tom, pardon. Et s'il n'arrive pas à rejoindre le lobby, il faut qu'il éteigne sa console et qu'il arrive. Dark XS est dans les échappements de Jésus, de la Ferrari de Jésus. Est-ce que la McLaren va venir? Ça freine fort. Je pense que sur en médium, hein, ils vont devoir faire double arrêt. Ils vont sûrement tenter médium soft, peut-être. Moi, j'aurais une énerve. Il y en a pas mal qui t'ont écouté quand même. Hein. Mais moi, j'aurais une énerve. Le leader de la course qui vient... Oh, mais non, c'est Taxi Julien avec ses intermédiaires encore. Qui ouais. Continue à améliorer en 1.19.904, mais attention à la sur... Mais... Tom, avec les médiums, calmez-vous. Avec les inter, pardon. Mais c'est les intermédiaires qui marchent le mieux, on a j'ai l'impression. On va aller voir le niveau des usures c'est des intermédiaires. Ouais. Ça sera mieux. Ben, 20%. 20% sur un circuit entièrement sec. Parce que là, il est entièrement sec. Ça y est, oui. Voilà. Là, Dark XS, voilà. Une 18-3. Donc, je pense que ceux qui sont en intermédiaire devraient passer par la voie des stands dès maintenant. Ça va peut-être même être un peu tard. Parce que Juju RM va vraiment bien remonter. Ça passe très proche de lui. Hein. Oui. Bah, pas le choix, hein. C'est ce que je disais effectivement Karma tout à l'heure. À Monaco, il faut passer proche des murs si on ne veut pas perdre de temps. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que passer trop proche peut aussi vous coûter la course. Oh, une 14. Faut être précis. Donc les hards. Les hards. Felkoz a amélioré de 7 secondes avec les hards. Aïe, 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 Tom. 5 secondes de pénalité. Part en quoi, Tom? Il hard. A un arrêt. 2 secondes 3. Hard. Bel arrêt chez Aston Martin et il met des hards.
Et Alex, Alex sort un médium pour sa part. Oula, t'as... Qu'est-ce qui se passe? Il y a une drapeau jaune, attention, la ligne de sortie des stands. Ça coûte cher, hein, cette ligne. Ouais. C'est 5 secondes de pénalité. On a Dark qui commence à bien se rapprocher de Jésus. Et Jésus, je le sens en difficulté. Il est limite hors du top 10. Hein, puisqu'il y a Dark qui vient vraiment mettre la pression. À moins de 6 dixièmes, là. Alors que Tom, même en ayant passé CR de tardivement, on va dire, a fait une belle remontée. Et puis ensuite, il ressort 8e. Donc... Sachant que, rappelons-le, Tom est parti dernier, suite à sa pénalité de ban de qualification. Donc Tom va peut-être finir pilote du jour, c'est Taxi Julien qui rentre en constant des ressorts en hard également. Karma a le Belcoz en tête. Oh, c'est terminé, non, pour l'Alpine de Bello. Non. Oh non! Lui qui était bien classé, 5e! Terrible, terrible! Il est en plein milieu, attention. Oh là 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 là! Terrible pour les Alpines. Ah, ils avaient tellement de points à aller chercher, malheureusement. Oh, ça c'est. Mais ce Grand Prix reste extraordinaire. De toute propreté, on voit la McLaren de Dark là qui joue avec la Ferrari de Jésus. Hein. Il y a un bouchon là qui se forme. Il y a un bouchon. C'est Guitant ce qu'il crée. Et Reda qui se rapproche du Taxi Julien. Taxi Julien peut-être en difficulté pour chauffer ses hards. Bah, il vient de sortir. Hein. Ouais. Donc Reda, avec ses pneus bien chauds, peut venir à lui mettre un petit peu la pression. Il se rapproche hein, dangereusement. Ouais, il est en meilleur temps hein, pour l'instant. Forcément. Il est remonté fort hein, sur Taxi Julien. Tom qui suit de près derrière. Allez, ouais. Bello qui nous dit que ça va être de la faute d'Elodie. Fallait qu'on me parle derrière. Arrêtez. Y a-t-il un modo sur le chat? Oui, monsieur Lisette. Pardon, je l'avais pas vu. D'Intigre, joli les maquillages. Merci. D'Intigre, il fallait bien. Ah oui, merci. Il fallait bien qu'on... Qu'on marque le on coup. On ignore ça, quand même. Et encore, je dis tout, on voit pas trop l'araignée. Oui, je sais, Isaltar, on essaie de travailler dessus, on comprend toujours pas. T'inquiète pas, je sais. On sait. Sur tous les groupes, ça marche pas. On essaie de trouver comment ça marche. Alerte. Donc, les sons d'alerte, oui, je les voudrais bien, mais voilà. Bah, c'est-à-dire que Reda a essayé de nous expliquer, mais en fait, comme il savait pas... Et les tutos Google, là... c'est... même en japonais, je suis sûr que je comprendrais. Allez, Reda, qui met toujours la pression. À Taxi Julien qui se rapproche maintenant, à moins de 3 dixièmes là. Il faut aller le chercher. Cet AlphaTauri. Ah, elle a l'air rapide. Elle a l'air rapide en ligne droite par rapport à la Mercedes. On va aller voir un petit peu ça, là, comment ça se joue là. Jésus qui se rapproche de la Guitance. On m'a dit que j'avais le droit, maintenant je continue comme ça. Mm-hmm. Wizard qui se rapproche de Dark. Il y a du combat. A... Ouais. Le soleil arrive. Hein. Le soleil fait sa belle apparition. À nouveau de Taxi Julien à Wizard, on a un petit train. Comme tout à l'heure de Taxi Julien, Reda. On a le même petit train que tout à l'heure, à peu près. Ouais, c'est vrai. Mais là, il y a Wizard qui est bloqué derrière Dark. Là, il va peut-être tenter au freinage. Le Wizard qui s'empare de la 10e place sur Dark. Très beau dépassement. Très, très beau dépassement.
Oh, attention là, ça frôle le mur hein, pour la Red Bull. Isaltar, il nous dit que c'est honteux. Ouais. Mais trouve-nous la solution. Karma, trop. Oh, le drift. Le drift de Jésus. Un petit replay. Ah, trop tard. Là, je pensais y est passé. Karma qui nous dit trop réaliste la vitesse d'apparition du soleil. Ah, j'avoue, c'est. Ah, c'est beau, là, regardez ces images, elles sont magnifiques. Isaltar est aigri ce soir. Nous, on est plutôt dark. Plutôt Halloween. Ou plutôt chat. Ah, mais là, t'as les yeux qui. Les pupilles, elles sont parties dans tous les sens. Je sais pas, j'arrive pas à me voir. Allez, on arrête un petit peu là. Jonathan, oui, ben oui, comme chaque semaine, j'ai envie de te dire. Il doit s'ennuyer, le pop garçon. Mmh. Bah ouais, mais s'il attendait un peu tout le monde, histoire de rire un coup. Effectivement. On va voir, tiens, je vais voir les intervalles avec le leader. JCF a pris un tour. Bientôt, Arose en va en prendre un. Mais ouais, les intervalles sont énormes. Est-ce que c'est bien Fatal Gaming dans sa voiture? Ça m'intéresserait de savoir si c'est bien lui. Si vous pouvez me dire en commentaire, ceux qui suivent le live de Fatal et le live de le nôtre, ça serait fort sympathique, s'il vous plaît. J'aurais pu mettre son live, mais je n'ai pas eu le... Je fais voir. Non, il est branché. Et je le débat. Merci. Fatal a abandonné. Ah! Ah! Ah bah oui, mais s'il pouvait pas rejoindre. Bon, mais ça fera que Makeup c'est P2 et Juju P3. Ok. Ça marche. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Donc, si Fatal est en live avec nous, qu'il n'hésite pas à venir nous voir en commentaire. Non, il a pas abandonné. Ah! Ouais, je vois que sur son live, il est en attente, effectivement. Et non, non, il est avec nous. Il a rejoint. Ouais, oh, ouais, il est avec nous. Il est en piste, donc il a coupé son live, mais en fait, il est bien là. Vous inquiétez pas, il est bien là. Il a bien utilisé le RS aussi pour essayer de remonter. Oh, pop, pop, pop! Jésus Wizard! Jésus Wizard! Ouh, la belle protection de Jésus! C'était chaud là, c'était chaud. Merci, merci à tous. Salut B-Boy Papi. Merci beaucoup pour vos messages. Ah oui, d'accord, Fatal n'a pas abandonné, il a juste stoppé son live pour ouais. éviter les coupures. D'accord. Merci Batigolv pour cette information. Oh, oh non, oh non, Taxi Julien. Oh, je pense qu'il a perdu une moustache. Ouais, il a perdu son fat gauche. Il a perdu son petit fat gauche là, qui enroule là-bas, qui roule. Ça fait gagner une place à tout le monde. Donc malheureusement, très belle course de Taxi Julien qui était bien parti et qui se voit reprendre la 11e position et qui va certainement passer par la voie des stands et qui avait chaussé les hards. C'est dommage. C'est dommage. Et qui a 3 secondes de pénalité, pardon. Donc Tom a 5 secondes de pénalité, Dark en a 6. Taxi Julien, JCF, Alex et Camaro, Michel en ont 3. Mais là, ouais. Par contre, Felkos qui a mis 38 secondes à Fatal, effectivement, il est ouais. seul devant, ça c'est sûr. Changement de position, ça appuie encore l'amélioration de Tom qui a donc pour l'instant gagné 12 positions. Énorme. Sur le GP de Monaco. Là, Julien, ça tape un petit peu les murs. Ouais, je pense que comme quoi, partir dernier à Monaco, ça ne veut rien dire. Ouais. Surtout que là, il ne s'est rien passé en piste. Il n'y a pas eu de, crash, il n'y a rien eu. Et vous le voyez, il a gagné 12 positions. Tom est parti 18e. À savoir qu'on ne verra sûrement pas de safety car. Oh, la vue arrière! C'est quoi cette caméra de dingue?
Ouais, elle s'est mise dans l'aileron arrière de la Aston Martin. Ah, des fois, il nous offre des caméras, ce jeu. Ouais. C'est dommage pour les AlphaTauri, ils étaient bien tous les deux. Moi, je vais aller chercher mes lunettes de soleil parce qu'il y a beaucoup trop de soleil là. Ouais, là, le soleil, il... vraiment, il arrive. Hein. Il arrive fort. On arrive même à distinguer dans les spectateurs une hola générale. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Je t'assure. Ouais, oui, non, mais c'est vrai. Allez, t'as cru, Julien, rentre au stand. Faire une grosse. On suit le move. À deux, ça n'a pas tout à fait le même sens. Hein. On suit le move. Bien, c'est bien, c'est bien. Make-up, ce qui est très proche de Fatal. Guitance, par contre, qui s'est éloigné de Tom. Ouais. Un petit peu, hein, légèrement. Mais il est passé au-dessus de la... Monaco, il y a combien de zones de DRS? Il n'y en a qu'une. C'est bien ce qui me semblait. Tout comme à Bakou, non? C'est pas Bakou aussi ou bien? Oh non, Bakou... Ah oui, il y en a trois. Non, Bakou... Qu'une. Deux. Il y en a deux, madame. Bon. J'avais tout faux. Une sur la grande ligne droite des stands et la deuxième au deuxième virage. Alex Rubi qui va aller attaquer Camaro Michel? Non, non. Ça se retire. Ça se rapproche, hein. Ça se bat pour la P6. Ouais. Ça se bat pour la P6. Mais moi, j'ai envie de voir où est-ce qu'est le leader. Ouais. On n'est pas sur lui, mais ouais, voilà. Il se rapproche. Là, j'ai l'impression que c'est Arose, hein, devant lui. Arose qui a le drapeau oui, bleu qui se présente. Tout à fait, c'est Arose. Donc, quelque chose. Make-ups va aller attaquer Fatal. En tout cas, il s'est bien rapproché. Allez, ça passe hein, pour Felcos sur son sur le retardataire. Make-ups qui est à l'approche. Est-ce que Fatal serait pas en panique aussi sur cette pneu? C'est l'heure des usures. 30%. 30% en moyenne sur les pneumatiques de Fatal contre. Et environ 17% sur ceux de make-ups avec ses hard. Alors, petit lancement de pronostic. D'après vous, qui va finir la course sur le podium? Quel sera le podium? Sachant qu'il est interdit de mettre Felcos sur la première marche du podium. Le freinage tardif de la Ferrari et Wizard qui lâche rien. À ce rythme, il va mettre un tour à tout le monde, le Felcos. Ouais, ouais. Il reste 18 tours. Il y a de fortes chances. Hein. On en a fait à peine plus de la moitié. Et il est quasiment à la moitié de la remontée des retardataires. Ben là, il est derrière Dark. Donc. Voir, il a dépassé Dark. Il est insolent, mais ouais. Vous le connaissez comme nous, hein. Vous le connaissez comme nous, vous savez comment il a débuté et vous savez maintenant au point où il en est. Voilà. Bridez-le. Même encore la saison dernière, il se trouvait pas cette position. Hein, donc. Non, mais Felcos, il doit jouer à la manette. Voyons voir. Tu veux voir? Ouais. On va voir. Oui, ah, c'est il joue une à grosse la manette. Manette hein. Hein. Allez, hop, on va le disqualifier. Il va te dégager direct. Hein, il a le sourire en plus. Ouais. Je suis sûr qu'il nous écoute en plus. Ah oui. Il est tellement insolent qu'il serait capable. Ouais, ouais. Allez, revenons un petit peu sur notre course. On va voir. Est-ce que tout se passe bien? Au niveau des Mercedes, tout se passe bien. 4e, 5e place, la Make-ups. La McLaren de Make-ups à la 3e position qui se bat avec notre ami Fatal. Il se rapproche là dangereusement. Encore une fois, au niveau du casino, ça va passer le tunnel. Ça passe le tunnel. Bon, je pense que Make-ups va pas... En plus, il a plus de batterie, Make-ups. Il envoie tout pour rattraper Fatal, mais je pense que ben, le mieux... Oh, papa!
Hop. Oh non. Il est trop loin. Il faut que j'aille sur Fatal. Oh oui. Terrible. C'est dommage pour Michel. C'est tout ça parce que tu vas faire sursauter. Mais oui, mets-toi sur Reda et on est trop tard. Bah non, trop tard. On disparaît vite. Allez, bon, malheureusement, troisième abandon au niveau du 23e tour. J'ai envie de dire, c'est parfait. Enfin, tout se passe pour le mieux parce que vous aviez peur. Tiens à dire, vous aviez peur parce que moi, je l'ai dit depuis le début, que tout allait bien se passer. On a quand même le combat qui continue et qui perdure pour la 7ème position. C'est Jésus, Wizard et Dark qui veulent s'en emparer. Et Jésus qui reste tout de même assez proche de Guitance. Au niveau des usures, nous avons 25% pour Jésus contre environ 23%, je dirais. Ça va être intéressant ça, puisque Felcos effectivement arrive proche de Dark, mais devant il y a tout le train à passer. Alors, il y a encore un petit peu de temps, mais quand il va y arriver. Ouais. Wizard, 3 secondes, Wizard. Aïe 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 aïe. La petite pénalité qui tombe. Ça peut faire. Oh, Wizard qui en plus a touché et a perdu. Comment t'appelles la babine? Ah oui, la petite moustache, moustache droite. Ouais. Qui a perdu la moustache droite. Le mur était apparemment trop proche. Au bout de Wizard qui rentre directement. Et machin, là aussi, c'est terminé. On va pouvoir le voir sur la piscine. J'ai l'impression. Non, avant la piscine. Non, avant, ouais. JCF, il est là. Wizard qui est passé par la voie des stands, donc pour attention. Ah, oh là là, attention. Ouais, disparaît pile quand il arrive. Ah, c'est dommage. Quatrième abandon de ce Grand Prix à Monaco. Et Fatal tient son premier podium. Ouais, effectivement. Ouais, Pastor Max 50 nous dit tiens bon, Fatal. Il tient bon. Plus que 15 tours. Non, mais il met. Felcos, il va mettre une minute à Fatal. Il est. Il va limite lui mettre. À part une case, de toute façon. D'ailleurs, en tant que JCF, je l'ai vu en direct, malheureusement. Bien. Oh non! J'étais sur lui, je l'ai coupé. Il a à peine touché, le pauvre. Oh non! Et je ne pense pas qu'on le voit parce qu'Alex Ruby est loin. Oh, ça passe pour Makeups! Sur le premier virage! Sur Fatal! Ouh, on l'a vu au freinage. Oh, j'ai... Alex, on va le voir. Non, c'est bon, il a disparu, JCF. Ah, je suis dégoûté pour JCF. J'étais sur lui, je le regardais tranquillement. Et... Il a à peine touché le mur de droite, ça l'a poussé à gauche et c'était fini. Ouais, ça tombe comme des mouches, hein, malheureusement. Salut Gadget, j'avais pas vu que t'étais là. Ouais, pardon, il est discret, Gadget. Ça va être dur pour ceux en médium. Ah mais oui, oui, oui. Ouais. Mais même maintenant, hein, on voit, ça commence à parler au niveau des usures là, des pneus arrière. On est à environ 40%, donc on peut aller au bout, mais ça risque de glisser très fortement. Il faut maintenir, ne pas aller chercher Makeups. Le but à Fatal, c'est de consolider sa troisième position. Mais j'avais pas vu que... Dark est en arrière. Ah oui, il vient de passer au stand. Et Wizard, même en passant par les stands, garde sa 10ème position. Il vient de chausser les softs, donc il va peut-être pouvoir aller chercher le meilleur temps autour sur celui de Felcos, qu'il obtient pour l'instant. Jésus qui se rapproche dangereusement de Tom. Isaltar, get, au revoir le podium. Un drapeau bleu qui se présente, attention devant, il y a un retardataire. Ouais, Alex qui gêne pas. C'est dur hein, de laisser passer ici. Ouais. C'est très très dur de laisser passer. Ah, et puis Felcos il a pas le temps. Hein. Et Guitance qui passe par la voie des stands. Ça y est, le meilleur temps autour. Felcos va se retrouver derrière son coéquipier Jésus. Avec un tour d'avance.
Mais il se retrouve. Ah ouais, il arrive. On l'a vu, la Ferrari derrière arriver. Là, c'est ouf. Hein. Il va mettre un tour au sixième. Hein. Il a un rythme de dingue. Fait le cause. Jésus va devoir lâcher là. Guitens, est-ce qu'il a cassé? Je sais pas trop. Je t'avoue, on n'a pas regardé. On était sur Jésus et Tom là, qui se battent. Et tout va bien pour. Non, non, mais il est passé par la voie des stands alors qu'il avait des hards. Je me demande s'il avait cassé. Donc Nana regarde pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté. On vous dit ça de suite. Et Jésus qui laisse bien passer son coéquipier. À Tom de faire pareil. Tom qui s'écarte bien. Est-ce qu'il va lever le pied pour le laisser passer? Ça lève le pied. Et Jésus qui veut s'infiltrer, mais non, ça va. Ça reste. Ça reste proche. Aileron avant, effectivement. Aileron avant. Ouais. Pardon, excuse-moi. C'était pas volontaire. Les arcs qui, effectivement, obtient le meilleur temps. Comme tu l'avais prédit. Deux fois d'affilée. Le tour d'avant et ce tour-ci. Les softs, ça a tout pu sauver la vie, mais comme on disait cette année, les médiums n'iront pas jusqu'au bout et ça peut lui coûter le podium, effectivement. Après le poste qui est derrière Tom maintenant, dans ses échappements. Quelqu'un qui nous a donné le secret de sa réussite, ça s'appelle le tryhard. Le ponçage de FR22 et qui cette fois qui sort de 2 semaines de vacances, donc vous doutez bien. Non, mais il est en vacances toute l'année. En été. Allez, on va faire une. C'est même pas qu'il a vu la lumière du jour pendant 2 semaines. Une petite vision au niveau des pneumatiques. Ouais, ça va être dur. Hein. Ça va être dur pour Fatal. Il reste 10 tours, il passera jamais. Ouais. Il va falloir qu'il change de pneu. Il va falloir changer de pneumatique. Sinon, ça va être très dur. On a Juju, parce que Juju remonte vitesse grand V. Hein. Juju, il le veut, son podium. Ouah, ça touche. Mais Tom, laisse pas passer Felcoz. Mais c'est pas Felcoz, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus, pardon. Felcoz, il est passé depuis 20 minutes. Felcoz, il est déjà à la chasse derrière Reda. Felcoz, ouais. Il est fatigant. On le voit sur la mini-carte, il arrive derrière les deux. Non, comme dit Karma, il va mettre un tour à tout le monde. Hein. On va se mettre avec Reda, vous la voyez derrière la Ferrari. Elle est derrière lui. Mais qu'est-ce qu'il va se dire dans le mur des box, des étoiles d'argent là? Est-ce que c'est Juju maintient la position, Reda maintient la position ou inversement? Allez, ça laisse passer Felcoz pour Reda. On a Wizard qui se rapproche là de son coéquipier encore. Ah, ça y est, j'étais dessus. Sur le premier virage, au freinage. Ouais, Juju remonte fort hein, sur Fatal. Je pense qu'il a trouvé déjà les hards. Hein. Les hards fonctionnent mieux que les médiums maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure qu'il est. Oui, ça remonte fort. Alors, je sais pas si certains ont pu le voir là sur la course du Mexique qui a eu lieu hier en F1. On a pu observer des ailerons très droits et on peut observer des ailerons là aussi très droits sur nos monoplaces, ce qui veut dire qu'elles sont bien plaquées au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, Tom qui s'écarte pour laisser passer Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faute de la part de Tom qui lui rend la position ou je ne sais pas? Je sais pas, j'étais en train de parler de technique importante. Ben oui, je ne t'ai pas coupé. Bon. Mais Tom qui va avoir certainement le DRS, oui. Il l'a effectivement. Donc maintenant, il va falloir qu'il vienne tenir. Get, Juju remonte comme une balle sur Fatal. Ouais, plus maintenant, puisqu'il a dû laisser passer Felcoz. Donc il a levé le pied. Donc maintenant,
a fait le cause d'aller faire lever le pied à Fatal pour que Juju reprenne le temps qu'il a perdu en laissant passer Felcoz. Et personne n'arrive à suivre Felcoz, hein, c'est cool. C'est pas évident. Il est rapide. Mais pareil pour Makeup, ça, on parle de Felcoz, mais Makeup c'est bien aussi, hein. Ah oui. Makeup c'est bien. Ah oui. Makeup, c'est, il fait le boulot, hein. Elle est magnifique, cette nouvelle McLaren, j'en suis amoureuse. Pas autant que l'Alpine, bien sûr, hein, mais... Par contre, on a une très belle vue. Moi, je l'adore, cette vue. Ouais, avec le soleil en plus. Regardez-moi cette Marina de Monaco. Là, c'est le petit Bugatti. Dans la Rascasse. Le restaurant, la Rascasse. Ouais, oui, maintenant, on est devenus des pros de Monaco. Ah, il fait le cause. Oh là là, il est derrière Fatal, quoi. Ouais, il est derrière Fatal. Il est derrière le troisième. Ça a permis à Juju de gagner une seconde. Avec seulement 50% d'usure sur les pneus. On a Blico Nutella qui vient de nous rejoindre. Ce serait pas un copain à toi, ça? Bienvenue à toi, Blico Nutella. Gadget, il a raison. Felcoz, il fait du CLM, il a pas du tour de pneu. Je crois qu'il y a un bug de la session sur Felcoz. Ouais. 60% hein, bientôt sur les pneus arrière de Fatal. Ouais. Ça peut tenir, mais attention. Passer les 70%, ça peut devenir compliqué. Ah oui, je le sais. J'ai, salut, Duncan. J'ai crevé sur les 70%. Un peu trop osé. Ouais. Wizard qui vient de passer sur Tom avec les softs. Wizard qui va permettre peut-être à Red Bull de marquer des points que Prodigy ne pourrait faire puisque il est absent sur quelques courses. Sa voiture. Merci pour ton follow, Duncan. Notre 280e follower. Faut le souligner. Ça fait qu'un mois qu'on est sur Twitch. Ouais. Il faut le souligner. Ça fait donc plaisir. Merci beaucoup. Pour cette soirée spéciale Halloween. Pour nous, Halloween, pas pour nos pilotes. Eux, ils sont en plein championnat, on ne les déstabilise pas. Il n'y a que nous qui nous amusons en cabine pour vous faire plaisir, pour s'amuser, pour nous, pour notre 170e Grand Prix en championnat de la F1 Simulator France. Me dit-il en vous regardant droit dans les yeux. Mmh. Il est... Oh boum badaboum. 22h52. C'est quoi ça? 33e tour sur 39. C'est quoi ce bordel, quoi? T'as tout raté. Alors arrête le live et tu le regardes après qu'il est fini. Parce que t'as raté 50 trucs là. Vaut mieux tard que jamais. Oui, 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 mais bon. Voilà quoi. Yeah. Allez, je veux voir où est-ce qu'il en est. Il y a Tom qui a été en perdition. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, ils vont tous s'arrêter au 38e tour. Hein. Oui, bah oui, du coup. Parce qu'il y a Felcoz qui a plus de batterie. Là, il a envoyé toute sa batterie. Ça va sauver Fatal. Ça va peut-être sauver Fatal sur son usure de pneus. De faire un tour de moins. Bah oui, ça peut. Ça peut. Et ceux qui ont mis peut-être l'essence, mais bon, j'en ai vu aucun. Non, j'en ai vu aucun. Personne prendra de risque pour ce. Bah comme on disait, à Monaco, il n'y a pas de safety car. Regardez Makeup qui va devoir s'écarter. Makeup à drapeau bleu. Makeup à drapeau bleu parce que le leader est derrière lui. Felcoz reprend la première place du championnat. C'est pas... C'est... du GP, pardon. Boum badaboum, ce n'est pas quasi un tour d'avance sur tout le monde. C'est un tour. C'est un tour. Mais tu le saurais si t'étais là depuis le début. Voilà. Felcoz a mis un tour à tout le monde. Voilà. Donc les intervalles, c'est simple. Un make-up, s'il a un tour. Voilà. Donc il s'arrêtera au tour 2. Au tour. À la deuxième place. Bon, je vais y arriver. Ou alors, faut que Felcoz se crache. Maintenant. Ouais. Ouais. Faut que Felcoz se crache et que tout le monde récupère son tour de retard. Et puis, voilà. Mais je pense que non, ça va être acté. Hein. Là, il peut même lever le pied. Il peut même prendre son temps. Et il prendra la première position.
Wizard à l'attaque de Jésus. C'est inédit, hein. On a pourtant des pilotes qui ont un franchement gros niveau. Mais c'est quand même assez inédit, un pilote qui réussit à mettre un tour à tous les pilotes. Tom a un souci sur sa voiture. Mais j'ai bien l'impression, ouais, depuis oui, que il y a Jésus... Enfin, Tom a laissé passer Jésus. On voit les intervalles qui commencent à se creuser assez fort. Ah ouais, parce que Rose revient facilement sur lui. Et pourtant, Tom a fait un bon début. Ça n'empêche que Tom, on me rappelle, a été parti dernier. Donc, il a gagné 10 places. Malheureusement pour lui, il a 11 secondes de pénalité. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne s'embête peut-être pas trop. Mais sachant que derrière, Dark est à 10 secondes derrière lui et à 6 secondes lui-même de pénalité, Tom, il faut rien lâcher pour rester dans les points. Rien n'est joué, rien n'est perdu. Oui, c'est vrai. Donc là, il faut y aller, Tom, faut pas se laisser faire. Non mais ouais, il a l'air en mode tout ensemble de Tom. Tom ? Ouais, ça aussi. Je sais pas. Wow. Peut-être qu'il a trop attaqué avec ses gommes. En tout cas, il y a petit tour pénalité. Wizard 3 secondes, Tom donc 11 secondes. Ensuite, Dark, Taxi Julien et Alex ont 3, 6 secondes. Alors, ce qui vient de passer du coup sur Tom. Très facilement, Tom l'a laissé passer, il se retrouve directement à 4 secondes derrière lui. Attends, il y a les Mercedes qui sont en perdition. Les Mercedes se font rattraper par la Ferrari de Jésus et la Red Bull. Quand même bien rapproché de Fatal. Hein. Dernier point d'usure sur Fatal. Oui. Attends, je veux juste voir ce qui va se passer. Point. Quand toi, on est au 36e tour, moi j'en suis au 38e. Quelque chose à passer la ligne. Ouais, je suis en train de voir par rapport à eux. Si je monte sur Felcoz, oui. Avoir les. Tout à fait. Ah, ça passe. Juju qui passe sur Fatal. Oh, c'est trop dur à voir. Beau dépassement de la part de Juju sur Fatal. Ah, Fatal qui perd le podium, hein. Ouais, c'est l'usure. Hein. Juju est énervé depuis le début. Ouh là, Fatal, ça. Ouais. Oh là là, 73%. Ça se trouve, il va crever d'un instant à un autre. Hein. J'espère pas pour lui. On l'avait dit, les médiums, c'est. Reda en plus qui met la pression maintenant derrière. Qui peut aller récupérer la quatrième place. Fatal via Juju, c'est chaud, ouais. Boum badé, boum, mon pseudo irait parfaitement pour ce GP. Quand tu rentres dans le mur, c'est fait. Karma, une féfé qui gagne à Monaco. Si seulement ça pouvait faire la même IRL. Ah ouais, c'est sûr. Un petit Charles Leclerc à Monaco. Bah oui. Ça me donnerait des émotions. Wizard, 3 secondes de plus, ce qu'il monte à 7 secondes de pénalité. Rose étant à 12 secondes derrière pour l'instant, il est plutôt safe. Et ça rase les murs pour Veda aussi. Et ils sont tous proches. Ouais. Tom, malheureusement, ça va être fini pour Tom. Il va malheureusement sortir des points. Ouais, il avait une dommage, belle remontée, on va refaire un petit point. Pas passé, t'avais regardé tes pneus à Tom, il n'y avait pas de soucis particuliers. Je vais aller voir. Parce que je comprends pas. La voiture a l'air saine. Que c'est la voiture. Ouais, mais alors il y a peut-être le pompe là, mais tout le reste, effectivement, extérieurement, on ne voit rien. La fatale, il doit être. Felcoz a fini pendant qu'on ne regardait pas. Felcoz a fini. Pendant qu'on ne regarde pas notre ami Felcoz.
excuse-moi Felcoz, hein, pour ta 7e d'affilée, forcément. Juju RM qui termine à la 3e position. Très beau résultat de la Mercedes de Juju. Fatal Gaming à la 4e position, malheureusement, dû certainement à une usure des pneus assez significative. Jésus, 5e position, on retrouve la Mercedes de Wizard. De Reda, pardon, à la 6e position. Wizard, 7e. Arose, 8e. 9e, on retrouve Dark XS. Je sais pas. 10e, on retrouve Tom, qui reste dans les points. Et Wizard est notre pilote du jour. Bougez pas, le podium va arriver d'ici quelques instants. Restez bien avec nous. Allez, écoute. Enfin une Ferrari sur le podium. C'est ce que j'ai entendu dire. Et du coup, le meilleur temps était pour Wizard, une 13.041. Pour Wizard. Ah ouais. Felcoz étant à une 14.083, hein, donc on a vraiment un très joli temps de Wizard qui nous fait un retour en force. Oui, c'est vrai. Salut Cacarotte. Allez, on va passer d'ici quelques instants à notre podium là. Le temps que ces messieurs arrivent tranquillement. Allez, on va y aller tout de suite. N'hésitez pas. Hop. On y va, c'est parti pour le podium. Prenez ça au passage. Allez, vous le voyez, donc ce podium est constitué de ces trois pilotes. Monstrueux pilotes, j'ai envie de dire. Mais on va commencer par Wizard qui... Est-ce qu'il est là? Pas encore, je pas crois encore. Pas. Bon, mais écoute, tant pis pour lui. En attendant, on va commencer par notre troisième, qui est en plus en caméra, donc ça c'est top. Très beau résultat des Mercedes ce soir. En plus, je me doute que tu n'y pensais pas à ce podium que tu allais nous faire ce soir, mais tu viens largement à faire, avec un beau dépassement à la fin, donc il faut le souligner. Bravo à toi, Juju. Ben merci. Oh putain, j'ai chaud, j'ai les mains qui tremblent, j'ai le palpitant à 2000 là sur le dépassement avec Pata. J'ai cru qu'il allait me farmer, qu'on allait tous les deux se mettre dans le mur, c'était un grand délire. J'avais annoncé la pluie, on a eu la pluie, et voilà, comme d'hab... J'ai réussi à tirer ma carte. Voilà, j'ai réussi à tirer mon épingle, à avoir la bonne carte. Et puis, après le rythme qui allait, j'ai fait quelques erreurs pendant la course, notamment au tout début, qui m'a valu un aileron au stand. Et un ou deux blocages à la rascasse. Sinon, j'aurais peut-être pu aller mieux me battre avec notre make-ups. Mais troisième place, c'est très content. Très, très beau. C'était une belle course et bravo à tous parce que c'était, je pense que ça devait être beau à voir. Il y a dû y avoir de la petite bagarre. Il y a eu la petite bagarre, c'est vrai. Et puis c'est surtout que nos chers spectateurs n'y croyaient pas. Hein. Ils croyaient vraiment qu'au premier virage ça allait s'exploser, mais au final, bah non. Hein. Ouais. Ça a mis du temps avant le premier. Ça a failli. Pour ne rien te cacher, ça a failli parce que on était à 3 de front avant le freinage. Et ouais, dur, comme hein. Voilà, on était à 3 de front, j'étais entre Fatal et Felcoz et j'ai pas voulu tenter le diable et je suis revenu derrière, mais ouais, ça aurait pu être un carnage. Mais te voilà à la 3ème position, oui. Ton coéquipier pas loin, donc félicitations. Vive les Mercedes. Ouais, bien joué, bravo. Merci les gars. Notre pilote du jour nous a rejoint. Ne me regarde pas, tu me fais peur. Allez, je t'en prie. Je te laisse l'honneur, tu l'aimes bien ton Wizard. Eh oui, ça fait trop longtemps. Mon Wizard, bravo, pilote du jour, tu nous reviens en force. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Mais si, je l'ai vu. Il est pas là, hein. Je sais pas à quel moment, mais il est pas là. Bon, merci Nana. Eh bien moi, je vais passer avec toi comme ça.
Ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu make-up, et ça fait extrêmement plaisir de le voir sur cette seconde marche du podium. Et coucou make-up. On m'entend? Tu vas? Bah oui, on t'entend bien. Ah, mais je vais bien, putain. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bah ça faisait longtemps déjà. Et moi, j'ai en cabine, c'est ma deuxième maison, hein, normalement. Mais là, c'est foutu. Hein. Depuis plusieurs saisons, c'est mort. Mais ça fait content parce qu'en plus Monaco, c'est pour historique quoi. P2 à Monaco, c'est sympa quand même. Hein. Je vais me faire un trophée, je pense. Je vais me mettre quelque part sur mon bureau. Vous avez bien bataillé. Enfin, toi et Juju, vous avez bien bataillé avec Fatal et on a vu un beau dépassement. Quoi. Ça mérite double point, je pense, non? Oui, je suis assez d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais que pour le podium. On va diviser les points de Felcoz et on va vous les répartir. Ça va? Je vous les donne avec plaisir, prenez. Non, bravo. Non, c'était... Ah, c'est une belle course, c'est pas facile en plus. La pluie, enfin là, il y avait la totale, quoi. Même en qualif, ouais. J'étais content parce que j'arrivais à sortir quelque chose, quoi. Après, avec Fatal, j'arrivais pas à trouver comment. Et puis, je pense que l'usure de ses pneus, à un moment donné, ça devait être compliqué pour lui. Hein. Ouais. J'ai pas compris pourquoi il a mis les jaunes. C'était son bot. Ah, il a une déco et le temps qu'il revienne, son bot a rentré. Est rentré. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'aurais eu plus de mal à le passer sinon, je pense. Ou je l'aurais pas passé du tout, mais bon. Dommage. Ah, dommage, non. Bah oui. Merde. Non, je suis vraiment très content. Très content. À chaque fois, je vous le dis, mais je vous félicite encore parce que bon, là, ça fait longtemps que je suis pas venu, mais c'est vraiment énorme, quoi. Un tel plaisir de participer à cette aventure. Bah, écoute, puis fais le cause, toi, tiens, extraterrestre. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi aussi, je t'aime, parce que là, c'est un autre personnage, là, le monsieur là, ce soir, qui nous a fait. Ouais. Comment dire, un tour. À chaque pilote, hein. Donc forcément, ils ont tous fini un tour avance. À l'avance, ça peut aider certains, merci. Comme voilà. De rien. Je pensais pour. Du coup, t'es viré. La prochaine course, tu pars avec un tour de retard. Allez, go. Bon, ben raconte-nous, Felcoz, hein, quand même. Voilà. Ben la qualif. On a pas pu faire nos vrais temps, malheureusement, pour la qualif, mais c'est pas grave. Dommage qu'il y ait eu la pluie. J'aurais bien voulu avoir du 5 pour essayer de taper les 9. Même si ça aurait pas été trop possible, mais j'aurais bien voulu essayer. Après, ouais, la course, ouais, départ sous la pluie, Juju, il fait un bon départ, je fais, mais non, bah, il va passer. Et du coup, j'essaye de resserrer un peu, je fais, non, je défends ma place. Et après, bon, après, il lâche, il joue fair play, il est propre, donc après, moi, je prends l'avance. Je casse un bout d'aileron comme un zigoto, là, sous la pluie, mais on sent pas la différence, donc ça va. Et je casse le fond plat, donc toute la course, ben, j'ai ravé les cases de mon fond plat, donc j'étais un full glisse. Et voilà, bon, ça m'a pas empêché de leur mettre un tour. Pour voilà, c'était pour eux, hein, pour qu'ils fassent 38 tours au lieu de 39. J'ai pensé à leur bien. T'as pensé donc, à rien. Voilà. Et j'ai mis un tour à tout le monde pour pas faire le jaloux aussi. Et voà. Voilà. Mais écoute, félicitations. Les fonds plats, c'est abusé. Hein. Moi aussi, j'ai pété mon truc. C'est dans la chicane, là, je crois. Hein. Ou le virage d'après, ouais. Là. Ouais, c'est le virage, ouais, d'après, ouais, je crois. Dans le vers secteur 2, secteur 3, ouais, là. C'est l'autre. Ouais. Bon. Ah, ouais. Eh bien, félicitations à ce podium, félicitations à notre pilote du jour, félicitations au groupe, qu'on tient à signaler, parce que ça a été un départ monstrueux, comme d'habitude, et puis on a vu de belles actions de tout le monde, je pense pas qu'il va y avoir de grosses plaintes ce soir, en tout cas, on n'a rien vu de si extraordinaire que ça. Non, franchement, on vous a vu propre, voilà. Comme d'habitude, c'était beau. Un groupe très agréable à regarder, on a passé une excellente soirée avec vous. Et avec nos viewers, bien sûr. Ne bouge pas, juste un instant. On retourne juste sur cette affiche quand même. On tient tout de même à vous remercier énormément. Vous avez été nombreux, extrêmement nombreux à nous suivre ce soir. Est-ce que c'est cette soirée qui a fait que en tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, on n'a pas travaillé pour rien, on n'a pas cravaché pour rien. Parce que, bon, on espère que ce Grand Prix spécial vous a plu.
Et puis, rendez-vous demain avec le groupe 4 en piste, avec notre ami Wanda qui est présent dans les commentaires et qui félicite tout le podium. Vous êtes nombreux à continuer à parler, donc continuez, c'est très bien. Ensuite, vous retrouverez mercredi soir notre ami Felcoz et Juju RM pour le groupe 3, qui sera donc en piste à Monaco. Et pour terminer, le groupe 2, jeudi soir, à Monaco également. Voilà, tout simplement. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine en compagnie du groupe 1 à Bakou. Donc, on espère que ça sera aussi propre et aussi beau à voir. En attendant, on va vous souhaiter une très bonne nuit. Une douce nuit. Pleine de cauchemars. Mangez pas trop de bonbons, quand même, ça fait mal au ventre. Mangez-en beaucoup trop. Mangez-en. Et puis, on vous fait d'énormes bisous. Et puis, on se revoit d'ici très très vite. En attendant, on vous laisse en image. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Et bisous.